Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais plutôt pas mal. Allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer, ok? Puis on va voir tout ça ensemble, ok? Donc après, tout dépend. Des fois, c'est en plusieurs parties. Selon, bon, moi, les messages qu'on me fait passer ou pas, ok? Allez, on y va. Donc là, on parle de l'homme et de la femme qui, pour moi, on n'a pas envie de se séparer. Il y a quelque chose de très spécial entre toi et cet homme. Il y a quelque chose au niveau de votre... Parce que tu sais, dans l'homme et la femme, on a tous une part de féminité. Et il y a quelque chose qui attire... quelque chose qui attire cet homme à toi. Tu as ce côté de qui te ressent très spécial. Tu es très spécial à ses yeux au niveau de ta fécondité. Quelque chose de très beau et il te voit très spécial, tu vois. Et toi aussi. Donc, moi, je pense qu'il ne sait pas, même s'il y a éloignement, par exemple, de ce monsieur, pour moi... Pour moi, c'est pas une séparation, ok. En plus de ça, je pense que lui et toi avez une forte clairvoyance. Alors peut-être, je le sais pas, mais moi, je pense que ce monsieur a de grandes capacités. Alors soit il le sait, soit il le sait pas, mais après ça peut être toi aussi. Mais par contre, on dit qu'il y a eu certaines choses où on a été obligé de faire très très attention aussi. Parce que je pense que une situation assez complexe. Donc là, on dit attends en tant que femme. Bon, il y a pour moi il y a des choses qui sont où on peut sauver quelque chose au niveau de votre lien. J'ai un blocage. Je pense que là, le monsieur est dans la non-communication. Je pense que c'est parce que il a de l'ordre à remettre dans sa vie au niveau de tout ce qui est la justice. Pour moi, il y a un jugement qui va arriver et je pense que par la suite, il y aura un déblocage. Hein. Donc, je pense que le monsieur, après, reviendra à toi dans la communication. Je pense que... il y aura beaucoup de déblocage si tu le souhaites. Je pense que là, c'est une situation où ce monsieur doit faire très très attention parce que il y a une fin de relation où on va attendre bon ben une décision.